Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission d'information habituelle à Palach. En quelques mots, le service d'urbanisme de la ville de Tepfer-Mines vient de connaître une saison estivale impressionnante au chapitre de l'émission des permis et des certificats. Pendant la période de mai à septembre, le service a procédé à l'émission de 1106 permis et certificats, dont la valeur a atteint. 42 279 438 Uniquement pour le mois de mai, 335 permis et certificats ont été émis pour un montant de 25 278 314 soit 21 millions de plus qu'en mai 2017. La directrice du service d'urbanisme, Madame Gina Turgeon, a précisé que depuis le début de l'été, Huit permis ont été délivrés pour de nouvelles constructions d'habitations unifamiliales isolées d'une valeur totale d'un million six cent douze cinq cents dollars, ainsi qu'un permis d'une habitation communautaire de 16 logements d'une valeur de 2 millions cent trente-neuf mille cinq cents dollars. Dans ce dernier cas, il s'agit de la fondation Renaissance et l'édifice est situé sur la 10e rue sud. De leur côté, les chantiers de construction neuve vont bon train alors que d'importants projets sont présentement en cours. C'est le cas pour Industrie Appalache Nature avec une valeur estimée à 17 883 000 dollars et du lavauto du boulevard Ouellette pour une valeur de 200 000 d'autres travaux sont également en cours de réalisation comme ceux du manoir Frontenac pour 5 millions, la coop funéraire pour 1 million 400 000, l'agrandissement du centre hospitalier pour 823 000 dollars et l'agrandissement des halles de l'alimentation pour 250 000 dollars. L'été a été remarquable pour notre ville. Et le service d'urbanisme a eu du boulot. Le dynamisme du secteur de la construction et de la rénovation à Thetford Mines se poursuit et nous avons de quoi être fiers de tous ces projets. J'invite les propriétaires, architectes et entrepreneurs qui ont effectué des travaux de rénovation de qualité dans le courant de l'année à soumettre leur candidature. Afin de participer au prix Reconnaissance d'architecture de Thetford Mines. Afin de susciter l'intérêt collectif, cette reconnaissance architecturale aura lieu aux deux ans et la prochaine édition se tiendra en 2020, de déclarer le maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Jusqu'à maintenant, en 2018, le service d'urbanisme de la ville de Thetford a émis 1 450 permis et certificats pour une valeur totale de 56 984 500 dollars. Toute personne ne souhaitant demander un permis en ligne afin d'effectuer des rénovations à un bâtiment, installer une clôture ou abattre un arbre n'a qu'à consulter le site Web de la ville de Tetrenman ville-tedford.ca sous l'onglet Vivre à Tetford. Au cours des derniers mois, la coopérative de solidarité de la station du ski du mont Hatstock a mis sur pied un projet de modernisation de la montagne. Le conseil d'administration lance maintenant une phase importante, soit une levée de fonds auprès du public. Laissons le président du conseil d'administration, M. Yves Gilbert, nous apporter davantage de précisions. Pour ici notre transformation, Bien, on a besoin, on a beaucoup de besoins, c'est bien certain. Puis actuellement, notre montagne, on est avec ce qu'on appelle un ancien système d'enneigement. Et c'est vraiment le cœur de la montagne de donner des conditions de ski très intéressantes aux skieurs. Donc, on a besoin de moderniser notre enneigement, la rendre plus performante, parce que comme vous le savez, au cours des dernières années, la température, on la contrôle pas. Donc, euh, ça nous prend des, des équipements qui sont capables de faire de la neige à des températures… Euh, plus élevé, je ne vous dirais pas plus bas, bon, mais plus élevé, tandis que les nôtres actuellement, il faut qu'il fasse très froid. Donc, tout ça, c'est la, la première chose. Qualité d'enneigement. On a aussi donné une meilleure qualité de glisse à nos skieurs, euh, rendre des pistes plus accessibles, puis en gros, donner vraiment une cure de jeunesse à, à nos équipements qui en ont vraiment besoin euh, euh, actuellement. Nos, actuellement, notre projet... Et d'investir en modernisation de la montagne un montant de 1,7 million. De ce 1,7 million-là, il y a environ 1 million seulement, 1 million qui va aller uniquement pour l'enneigement. La balance, c'est vraiment pour améliorer les pistes, améliorer les remontées, euh, tout ce qu'il y en est. Actuellement, on a beaucoup de projets de déposer dans différents ministères. On devrait bientôt, ils sont, sont tous en train d'analyser ça et nous donner des réponses euh, favorables. Mais actuellement, l'accueil elle est bonne. Ils vont nous donner des réponses prochainement sur l'accessibilité de, de, de notre programme. Chose, par contre, comme dans tout projet, on demande une part du milieu. Okay? Donc, pour ça... Nous, on ce matin, ce qu'on veut, c'est vous annoncer qu'on va faire une levée de fonds, et on espère amasser près de 300 000 dollars dans cette levée de fonds. C'est euh, un objectif qui est défiant, mais on est convaincu que euh, les citoyens, les entreprises de notre région croient en notre montagne, puis ils vont nous appuyer. Euh, puis puis euh, parce que c'est une importance capitale. Notre montagne, elle sert à attirer énormément de jeunes dans notre région, mais elle sert à attirer oui, des gens au niveau touriste, mais des gens aussi au niveau du travail. Parce qu'il y a énormément de travailleurs aujourd'hui, que ce soit des professionnels ou des journaliers, qui sont venus dans notre région pour ne seulement qu'à leur demander. Ils sont venus dans notre région à cause de la qualité de vie, à cause de nos nombreux lacs, à cause de, de nos clubs de golf, à cause, mais surtout aussi à cause de notre montagne. On est chanceux d'avoir une montagne de ski qui est à, à peu près à 10 minutes de, des principaux pôles d'attraction de notre MRC. Bien... Euh, c'est une force. C'est une force que ce n'est pas toutes les régions qui ont cette force-là, puis il faut capitaliser là-dessus. La présidence de la, de la levée de fonds a été confiée collectivement à M. Charles Faucher, vice-président de développement des affaires chez Préciscom à M. Richard Sette-Lacouille des magasins à lacouille et à M. Charles Morin, cofondateur de l'Agence créative Les Prétentieux. Écoutons M. Charles Fauché nous parler de cette collecte de fonds. Nous sommes heureux de pouvoir entreprendre cette campagne. On a ramassé, comme tu disais, Yves, entre 300 et euh, 600 000 C'est beaucoup d'argent. Euh, les Jeux du Québec viennent juste, juste de passer avant nous autres. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'à chaque fois, que les gens euh, se, <coughs> se, se, se mobilisent plutôt, à ramasser des sous, je trouve que la région se comporte mieux et la fierté augmente davantage dans la région quand on est ensemble pour aller plus loin. Euh, pour avoir des infrastructures euh, de qualité dans la région, bien sûr, on a besoin des municipalités environnantes, on a besoin des gouvernements, puis on a bien sûr besoin de vous tous, euh, les gens de la région. Je crois que la station de ski est importante pour les gens. Je crois qu'elle est importante pour les entreprises, pour attirer des talents, attirer des emplois. Je crois que c'est important aussi pour les organismes publics, pour attirer des médecins, des physios, euh, des dentistes, whatever, et bien sûr pour diversifier l'offre touristique de la région. Donc, euh, je vous dirais moi, l'an passé, euh, quand on m'avait dit qu'il y avait des potentielles chances que même la station ne pourrait ne pas ouvrir, je vous jure, comme moi de mon bord je regrettais d'avoir presque rénové ma maison l'année euh, d'avant. Donc, euh, je vous dirais que c'est important. J'entendais même dire qu'il y avait des gens que si la station ouvrait pas, euh, parlaient même de quitter la région. Je parle des fois des certains professionnels. Il y a des gens, des entrepreneurs qui avaient peur de perdre des employés qui venaient dans la région parce que la station touristique faisait partie des, 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 des choses qui étaient importantes pour eux pour venir s'établir dans la région. Alors, il euh, ne faut pas oublier aussi que oui, c'est une station de ski, mais les gens ne viennent pas juste faire du ski à la station. Euh, on fait du scalping, les gens viennent glisser avec des tripes, les gens viennent faire de la raquette, les gens viennent faire du vélo de montagne, ou en ont fait, où on va en faire bientôt, parce que ça se parle. Ils viennent faire de l'escalade, les gens montent la montagne au printemps, montent euh, la montagne à l'automne, les gens vont manger en haut, ils font des, des, petits, des petites fêtes. Il y a même des mariages au mont stock Puis de mon côté, ben... Par fierté, quand euh, j'ai le temps, ma famille vient de tous les coins du Québec où j'ai des fois des clients même de l'extérieur du pays. À chaque fois qu'ils viennent, je prends le temps de leur faire monter la montagne parce qu'on est fiers et on a bien du fun euh, à faire ça. Donc, la station, c'est une infrastructure qui sert à plusieurs types de sports et à beaucoup de monde d'ici et d'ailleurs. Une montagne, c'est une sorte d'emblème. Donc, le mont stock a beaucoup d'histoires et il y a beaucoup d'histoires euh, et beaucoup de monde a une histoire aussi avec la montagne. Après une septième édition couronnée de succès, le comité organisateur du carnaval de Thetford est heureux de préparer la plus grande fête hivernale dans la région, qui se déroulera cette année du 20 au 24 février 2019, principalement sur le site du Centre historique de la Mine King, connu sous le nom de KB3. Parmi les éléments qui composeront la programmation, les duchesses reviendront animer la région pour une cinquième année. Laissons Mme Émilie Marco Mathieu nous en parler davantage. Alors, on vous a convié aujourd'hui à ce rendez-vous pour vous parler du concours des duchesses, un concours qui a vraiment besoin d'explications. De, de, On en est rendu à notre cinquième édition, mais sauf que c'est toujours intéressant d'en parler parce que jusqu'à maintenant, c'est 32 femmes qui ont participé à cette aventure-là, euh, qui ont réussi à, à amener le carnaval à un autre niveau, dans le sens que si euh, elles n'avaient pas été là, je crois que la visibilité du carnaval n'aurait pas pu rayonner autant du côté de la MRC des Appalaches. Alors, un énorme merci pour tout le travail qui a été effectué au cours des dernières années là, du côté des duchesses de, du carnaval des jardins de Thetford. Et c'est pour ça qu'on a décidé de reconduire ce concours-là cette année. Alors, on est à la recherche de huit duchesses dynamiques de 18 à 98 ans. Les gens partent toujours à quand on dit 98 ans, mais oui, on en veut des femmes d'expérience aussi. On veut des, des femmes qui sortent de l'école, des jeunes mères de famille, des professionnels, mais on veut aussi des femmes qui ont un certain vécu. Souvenez-vous, il y a une certaine époque où il y a quelques années, je crois deux ans, euh, Jacinthe, qui avait 58 ans, avait été couronnée reine justement euh, du carnaval de Tetfern. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour participer à ce concours-là. C'est euh, bien sûr une invitation à tous. Autour maintenant du président de l'événement, Monsieur René Soucy, de nous dévoiler avec plus de précision la programmation de cette huitième édition. Oui, cette année, on repart pour la huitième édition. Puis cette huitième édition-là, elle va se tenir pour la, euh, à, du 20 au 24 février, du mercredi au dimanche, sur le site du centre historique de la minking le kb 3. On revient avec nos activités pour la fête populaire. On revient avec les activités de la programmation de, un peu plus pour aînés, la programmation du pouvoir gris le mercredi et le jeudi avec l'activité cerveau actif. Mais c'est aussi une programmation qui est aussi en, en développement. On revient avec euh, le mercredi soir, un partenariat qu'on a commencé à développer avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford. Et on est très fier de dépasser euh, le, 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 le familial pour aller du côté des relations économiques puis de rentrer dans le tissu économique de la région avec le carnaval de cette façon-là. Jeudi, soirée d'humour, jeudi soir, qui va se tenir à, encore dans notre igloo chauffé. On revient avec euh, le, le principe d'être capable d'avoir un, un endroit un peu chaud pour euh, se réchauffer. Le vendredi, euh, petite chose, on est en train de travailler des choses avec la commission scolaire aussi, mais ça, euh, ça sera dévoilé un brin plus tard. Mais vendredi soir, c'est le retour du Carnavière. dit soirée festive, soirée extérieure, c'est la belle fête, qu'il fasse beau ou qu'il fasse moins beau. Les, les, les carnavaleux sortent pour le Carnavière. Samedi, dimanche, fête familiale pendant la journée. C'est euh, la, 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 la fête, c'est le, le, le plaisir pour les enfants, c'est le plaisir pour tous les âges et on essaie d'en mettre partout. C'est vraiment, on, on veut couvrir toutes les, le, 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 toutes les plages d'âge avec euh, le, les activités du carnaval. Samedi soir, il y aura. Le couronnement extérieur. On reprend pour la deuxième année le couronnement extérieur. Ça devrait être très festif et on vous invite à, vous, à venir nous trouver en grand nombre en début de soirée euh, pour un feu d'artifice extérieur et le couronnement en direct sur la grande scène. Ça sera suivi d'un spectacle. Le dimanche, il y aura retour des, de, des compétitions de drague de motoneige sur le site même euh, au niveau euh, du Centre historique de Lemming King. Et euh, c'est toujours très populaire, c'est toujours très, euh, très suivi. Le carnaval de Thetford est né à la suite de la consultation Vision Jeunesse 2011, événement qui a permis d'identifier les besoins et les attentes des personnes afin qu'elles choisissent de poursuivre ou de faire leur avenir à Thetford. Dès 2012, le carnaval de Thetford voyait le jour. Les premières éditions ont été tenues par la ville de Thetford, alors qu'en 2015, la prise en charge de l'organisation de la fête a été confiée à un comité de bénévoles. Suivant l'adoption de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, la ville de Different Mines a convenu d'une entente le 19 octobre dernier avec deux de ses groupes d'employés, soit le syndicat des employés de bureaux et le syndicat des employés municipaux. Le processus s'est bien déroulé, malgré les exigences prévues à la loi, qui pouvaient parfois être contraignantes et assez restrictives. À la suite d'une période de négociation de quelques mois, les parties concernées ont convenu de ces ententes sans arbitrage. Nous sommes donc heureux du dénouement final pour ces deux groupes de déclarer le maire Marc-Alexandre Brousseau pour les deux autres groupes concernés par cette loi, les discussions avec les employés cadres de la ville se poursuivent et un règlement rapide est escompté. Alors que du côté du groupe des policiers, il reste du travail à faire de préciser le maire de Tetford. Dimanche le 11 novembre prochain à 13h30 il y aura cérémonie à l'occasion du jour du souvenir. Cette année, les organisateurs y célébreront le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918 à 11 heures, se terminait une guerre à laquelle plus de 650 000 hommes et femmes avaient participé. Plus de 66 000 soldats. Ils perdaient la vie et 170 000 furent blessés chez les Canadiens et les Terneviens. Les organisateurs souligneront du même coup le 75e anniversaire de la libération de l'Italie où plus de 95 000 Canadiens ont combattu. Il y eut 6 000 morts et 20 000 blessés. De plus. Il y a 65 ans, se terminait la guerre de Corée, à laquelle 26 000 Canadiens ont participé. On a dénombré 516 décès et de nombreux blessés parmi les rangs canadiens. La population de la grande région de Thetford, militaires en service et vétérans, sont invités à se joindre à la place du cénotaphe Coin Notre-Dame et Saint-Alphonse il faut se continuer à se souvenir de ceux et celles qui ont servi dans ces guerres, sans oublier ceux et celles qui servent actuellement dans les différentes missions auxquelles le canada participe. nous nous souviendrons d'eux de mentionner l'un des organisateurs, monsieur claude nadeau. quelques informations au chapitre euh, des sports. Mentionnons que les filons de la Ligue de football collégial, Division 2, ont terminé au sixième rang de cette même division. À leur dernière sortie de la saison régulière, les filons du cégep de Thetford se sont inclinés par le pointage de 45 à 29 devant les Highlanders du cégep John Abbott. La troupe de Diego Rattel aura donc conservé une fiche de trois victoires et cinq revers pour terminer au sixième rang de la Ligue. La formation tetford a amorcé cette rencontre sur les chapeaux de roue en prenant les devants 15 à 0 avant de voir les Highlanders remonter la pente et provoquer l'égalité 15 à 15. À la demi, l'impasse persistait à 22-22, alors qu'à l'issue du troisième quart, le pointage était de 29-29. Ben, mentionnons que en série, les, la formation tête-fordoise affrontera les Lynx du Collège Édouard-Montpetit, donc samedi le 3 novembre prochain. Au chapitre de la Ligue nord-américaine de hockey, l'assurancier disputait deux matchs en fin de semaine dernière, Alors, dans un premier match euh, vendredi dernier, les blackjacks de Berlin réussissaient à remporter leur premier match ou le premier match de leur histoire à Tetford Mines en disposant de l'assurance par le compte de 5 à 3. Par ailleurs, euh, l'assurance se, se rendait plutôt à Rivière-du-Loup samedi pour y affronter le 3L de l'endroit, et remportait une victoire de 5 à 1. L'Assurancia disputera son prochain match à Tedford vendredi le 2 novembre au centre Mario Gosselin et y recevra la visite du cool FM de Saint-Georges-de-Bose. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à la même heure pour un bulletin semblable, entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit à tous et à toutes. une bonne semaine.